bienvenue sur Cuisine Rapide. Aujourd'hui, on va réaliser des cinnamon au caramel. La recette est vraiment très gourmande. C'est parti. Il va nous falloir donc 4 cinnamon, 4 boules de glace vanille, 4 cuillères à soupe de caramel. Si jamais vous ne trouvez pas ce genre de caramel dans le commerce, vous prenez une boîte de lait concentré sucré et vous la recouvrez d'eau et vous laissez cuire pendant environ 2 heures. Si jamais vous avez une cocotte minute, c'est encore mieux. Vous la mettez donc pendant 30 minutes et vous obtiendrez donc un caramel. Et il nous faudra donc 4 cuillères à soupe d'eau. Alors une fois que ma poêle est chaude, je viens y mettre du caramel et une cuillère à soupe d'eau. Et là, je laisse fondre tout ça. Une fois que c'est chaud, on vient y déposer donc le msemen. Ensuite, on coupe le feu et on retourne donc la crêpe. Et là, ce qu'on fait, on le mélange bien dans le caramel. Donc là, le feu est complètement éteint. On laisse juste notre crêpe donc absorber le caramel. Et entre chaque opération, il faudra laver votre poêle. Là, j'essaie de faire une jolie boule et je la dépose directement sur le msemen. Et là, on obtient un msemen au caramel hyper, hyper gourmand. Je saupoudre d'un peu de sucre glace. Et ensuite, je vais goûter ça, miam miam. Alors, je récupère ici un petit peu de glace, du msemen. Allez, je vous montre ça de près, et c'est parti. Alors là, je peux vous dire que c'est vraiment une pure merveille. Si jamais vous faites ça pour des amis, vous allez vraiment les surprendre. C'est vraiment délicieux. Allez, je me resserre. Donc ça y est, ma recette est terminée. Donc n'hésitez surtout pas à partager et liker cette vidéo. Et nous, on se donne rendez-vous très vite sur Cuisine Rapide pour des recettes certainement plus faciles.